remercie d'être venus, les musiciens, merci. Et de nous faire vivre un bon moment, passer au moins un moment chouette entre amis. Et la caméra des commerces chiliennes franco-latino-américaines, ou plutôt, avec l'association Mistral et l'association Eiffel, on organise très souvent des rencontres avec des musiciens de l'Amérique latine. Et aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle rencontre qui va nous permettre de pouvoir partager. Merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on le fait en deux parties. On va le faire en deux parties. Oui. D'accord. Et puis, à un moment donné, pour pouvoir discuter un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous recevoir. Vous avez une autre? Non, Before you accuse me. Thank you.
Fuck, what's the name? Bonsoir. Donc je crois que je suis le seul représentant de la Amérique latine ici, ce soir. Ah, on a deux. On a plusieurs. Ah, bon. Donc je vais chanter quelques compos. Et pour moi, le blues, c'est quand j'ai commencé à jouer la guitare, en général, j'étais un peu petit. Et très vite, j'étais très intéressé par le vieux blues, en fait, en écoutant un peu les vieux classiques. Et en fait, c'était avec l'album de L'Unplugged de Clapton que j'ai découvert un peu ce style. Et après, j'ai commencé à chercher les sources, en fait, Robert Johnson, Son House, tout ça. Et donc, il y a toujours un peu d'inspiration dans le blues pour mes chansons, même si ce n'est pas du blues pur. Et donc, maintenant, je vais interpréter quelques chansons. Et pour ce premier morceau-là, c'est un petit, on dirait blues, en ré mineur. Et si tu veux m'accompagner, Alex, tu veux m'accompagner? C'est un morceau ré mineur. Ouais, ok. Okay. Ça s'appelle Refugio. Esta noche me...